mettra plus des obscénités. Quand j'achète un complet, je me laisse conduire intérieurement par ce qui honorera le mieux celui qui est devenu mon sauveur et mon seigneur, et que d'une certaine façon je représente. Oui, oui, vraiment, Jésus, sans que j'entende des voix qui me donnent des conseils, il me parle. C'est vrai pour vous aussi, mesdames. Quand vous aurez besoin d'une robe, vous pouvez vous inspirer du défilé de mode de Langerfeld ou de Nina Ricci. Quand vous ferez votre choix devant la vitrine de l'innovation ou de la Samaritaine, peut-être serez-vous attiré par celle, la vitrine qui porte un de ces mannequins. Demandez conseil au Seigneur et je suis sûr qu'il vous donnera son avis. Vous entendrez au fond de vous-même, de votre conscience, sa douce voix qui vous dira « Mais ma petite fille, cette robe qui a l'air de te plaire, elle est taillée dans si peu de tissu. Et si elle se rétrécit encore au lavage, mais tu ne serais pas bien habillée, mais tout juste bien déshabillée. Voyons, regarde dans la vitrine à côté, regarde de l'autre côté, regarde sa classe et sa décence, c'est celle-là qui t'ira le mieux. » Voyez-vous, le Seigneur a créé la femme, et il sait mieux que quiconque ce qui ne fera pas d'elle un objet de convoitise. Il est meilleur couturier qu'Yves Saint-Laurent ou Coco Chanel. C'est vrai, mais c'est vrai pour l'achat d'une voiture comme pour le choix d'un ami ou d'un conjoint. Le Seigneur peut être consulté, et c'est alors que se réalise ce qui est écrit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il n'y ajoute aucune peine. Je reprends. Premièrement, quand on croit en lui de tout son cœur, il est le Sauveur. Deuxièmement, il devient le Seigneur. Et troisièmement, il devient le bien-aimé de nos âmes, tel que la Bible nous le présente dans le Cantique des Cantiques. Écoutez, « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé. J'ai désiré m'asseoir à son ombre et son fruit est doux à mon palais. La bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi, car je suis malade d'amour. C'est lui qui aura la première place dans toutes nos affections. Plus personne ne viendra alors y supplanter la place qu'il doit occuper, comme c'est écrit dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 18, afin d'être en tout le premier. Je peux vous assurer que lorsque de tout son cœur on croit en Christ comme Sauveur, Seigneur et bien-aimé, la vie change et se façonne à la ressemblance de Jésus-Christ. Mais je crois qu'en notre siècle, la question qu'il faut poser n'est plus tellement « Qui dites-vous que je suis ?» Tous ceux qui m'écoutent ce soir, ou qui écouteront l'enregistrement de ce message, mais tous savent que le Seigneur est le Sauveur et le Fils de Dieu. Si Jésus-Christ était ici à ma place sur cette estrade et devant ce micro, je crois qu'il poserait sa question un peu différemment. Il dirait « Vous dites que je suis le Christ. Vous dites que je suis le Sauveur. Vous dites que je suis le Fils de Dieu. Mais comment le dites-vous? De la tête ou du cœur ?» La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10 et verset 9, « Si tu crois dans... » Oui, si tu crois dans... mais dans ton cœur, et que tu le témoignes de ta bouche, tu seras sauvé. Tous, vous croyez au moins de la tête. Ce que Dieu veut pour que vous soyez sauvés, c'est que cette croyance descende 35 cm plus bas, c'est-à-dire dans le cœur.
Et cela peut se passer ce soir. Vous pouvez rentrer chez vous en route pour le ciel et avec la paix du ciel dans votre cœur. Voulez-vous l'inviter dans votre cœur? Voulez-vous le faire maintenant? Nous allons nous recueillir quelques instants dans le silence et vous pouvez vous décider pour lui dans un court moment de prière et de décision. Si cela peut vous aider, les quelques mots, les quelques phrases que je vais dire lentement, vous pouvez silencieusement les lui dire comme si elles étaient les vôtres. Alors nous nous inclinons. Et vous lui dites, de tout votre cœur, vous le répétez intérieurement, dites-lui Seigneur, Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as été ni mon sauveur, ni mon Seigneur, et encore moins le bien-aimé de mon âme. Dites-le-lui. Je te demande pardon pour cette longue indifférence. Dites-le-lui, oui. Pardonne-moi ce péché d'indifférence et tous les autres. Dites-lui encore, dites-lui Seigneur, je veux commencer à te ressembler dès aujourd'hui. Et je te laisse entrer dans mon cœur, je te laisse entrer dans mon cœur pour venir y faire cette œuvre de transformation. Je crois, Seigneur, que tu es le Sauveur. Je crois maintenant que tu es mon Seigneur. Je crois que tu es le bien-aimé, ô Seigneur, deviens mon bien-aimé à moi. Seigneur, dites-lui, Seigneur, sans réserve et sans retour, je me donne à toi ce soir. Merci, Seigneur. Merci. Amen. Vous écoutez Radio Respiration FM. Merci. Et le collège aussi rappelle que la Caisse populaire pour Kélan est son sponsor officiel. L'école du dimanche porte à la connaissance de tous les moniteurs, de toutes les monitrices et de tous les étudiants, de toutes les étudiantes et de chaque fidèle de l'église qui organise une journée d'évangélisation ce jeudi 19 juin à 7h30 à 2h de l'après-midi. Cette journée d'évangélisation commencera à 7h30 par une séance de prière à l'auditorium de l'église, suivie de la formation des équipes et la sortie à 9h. Ceci est de la directrice de l'école du dimanche. Le centre d'assistance sociale de la première église baptiste de Port-au-Prince et le groupe Bon Samaritain salue l'église entière et remercie tous les fidèles et les invite à continuer à participer à cette grande œuvre d'assistance pour aider les nécessités non seulement de l'Église, mais aussi des sœurs et d'asile. Salutations fraternelles en Jésus-Christ, les dirigeants de ces deux associations, de ces deux groupes. Si vous avez ce matin un problème de santé, nous profitons de cette occasion pour saluer les professionnels de l'Église et les professionnels de la santé en particulier. Oui, si vous avez une urgence ce matin dans ce culte, c'est le docteur Marc Aderville qui assure l'urgence. Il est au 47 56 66 60 19. Le
Seigneur nous donner cette annonce de décès. Nous annonçons avec infiniment de peine la mort du frère Lucien Édouard, qui venait à Port-Bresse le vendredi 10 juin 2014 à l'âge de 77 ans. Les funérailles du frère Lucien Édouard ont lié dans la première église baptiste de Port-Bresse le jeudi 19 juin 2014. À 8h du matin, le cadavre national disposé de se faire. Le défunt était membre de l'église et il fréquentait la congrégation de Faubourg-Salon. Ce sont là mes frères et mes sœurs en Christ, les annonces provisoires de l'église. Et juste pour compléter, nous demandons aux frères Maximé Antoine de bien vouloir rencontrer sur la tour de l'église M. Rony Gilles. Il est en devant le secrétariat de l'église et aussi la congrégation de Faubourg Salomon, la jeunesse, qui célèbre son 56e anniversaire à travers une conférence qui commence demain avec votre serviteur sur la jeunesse chrétienne face à la crise. L'écuménisme, et mercredi prochain, Maître Patrick Laurent, la jeunesse et la politique, et vendredi 20, Pasteur Henri Jean-Pierre, la jeunesse chrétienne, face au signe des Illuminatis. Et le 56e à Faubourg, à la jeunesse de Faubourg, Salomon. Comme je vous dis, ce sont là les annonces au revoir de l'Église. Mais l'annonce, il ne peut pas attendre, c'est que Jésus est là. Et comme tel, nous devons travailler pour dire ensemble, Maranatha, Christ revient, car Christ en nous l'espérance de la gloire. Avant d'écouter la prédication du jour qui sera présentée par le pasteur Karen Célestin, je vous invite, frères et sœurs dans la foi, à chanter les versets du cantique. Le ciel était voilé, la route était obscure, voyageurs désolés, j'irai à l'aventure, chaque arbre du chemin était une menace, et je cherchais en vain la porte de la grâce, et je vis sur le seuil, debout dans la lumière, Jésus, quel doux accueil, il fit à ma misère. Je t'attendais, pourquoi dit-il, pauvre, à ma place. Viens juste tard, c'est moi qui suis la grâce. Cantique inscrit au numéro 306 de notre lequel est chanté Sémence et Sémé, française, sur les aides de la France 504, par le cantique populaire 286. Et si vous avez le recueil de Brise du Réveil, c'est le numéro 60. Je vous invite à vous lever pour chanter avec Roman. Les 4 versets de ce cantique. Yeah.